Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode d'un Ugly to Beauty Challenge. Et je suis quant à moi, mais comme d'habitude, super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui les amis, pour ce troisième épisode, j'ai décidé de encore faire une femme. Et ça sera la dernière fois que je fais une femme, puisque je vous propose pour la prochaine fois de faire un couple de sims ou bien de faire des enfants bien bien moches. Parce que je sais pas trop si c'est possible au passage de faire des enfants très moches, mais essayez. Et voilà, bah, pour le prochain épisode on essaiera de relever le défi avec un ou deux sims adultes ou bien un sim adulte et un sim enfant. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc écoutez, bah, sans plus tarder, on va commencer. Alors je vois qu'il y a encore plus de sims. Et au passage, ah ok d'accord, il y en a encore des nouveaux qui chargent, c'est super. Et au passage, j'ai activé les contenus personnalisés, puisque certains m'ont dit que même s'ils en avaient pas mis, et ben ça m'était comme si on avait. Donc du coup voilà, je les ai activés, comme ça on a vraiment un maximum de sims. Et je vois qu'il y en a franchement encore plus, du coup c'est vraiment cool. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire encore une femme, donc du coup on va pas faire d'homme. Donc enfin c'est logique en même temps ce que je dis, franchement je suis vraiment bête et je dis des phrases qui sont d'une logique, c'est laisse tomber. Du coup en femme il y a quand même beaucoup de choix. Alors la dernière fois on avait fait on m'appelle l'OVNI, voilà, c'était la vidéo à 1h du matin, c'était super. Vous inquiétez pas, cette fois-ci je fais la vidéo à 16h52 pour être précis, donc voilà c'est le jour, donc je serai pas hyper fatigué. Et aussi on avait fait beauté fatale, donc du coup cette fois-ci j'ai décidé de prendre, il y a beaucoup de sims qui sont bien dégueu, ça va être un petit peu compliqué. Écoutez, mamie lézard, elle a l'air franchement hideuse, donc je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, écoutez, on va la télécharger, on va hop remplacer et du coup c'est parti. On va s'occuper de toi, mamie lézard. Tu es magnifique, ton rouge à lèvres noir te va très bien. Du coup, elle est tellement dégueulasse, franchement c'est juste horrible. C'est un extraterrestre. La dernière fois on a vu le clown, cette fois-ci on a l'extraterrestre. Voilà, on a de tout dans ce challenge, c'est super. Du coup, écoutez, on va commencer. Alors, est-ce que je modifie sa peau ou pas? Non, écoutez, ouais, je vais pas modifier sa peau, je vais la lisser. Voilà, ça laisse un petit délire et tout, c'est cool. Donc tout d'abord, on va t'enlever tes lunettes de mouche qui sont juste horribles. Oh, ce nez, oh, ce nez, oh, c'est énorme. On dirait un triangle rectangle. Tu peux calculer Pythagore avec, frère, c'est abusé. Du coup, écoutez, alors tout d'abord, hop, on va lui remettre le visage un petit peu comme il faut, voilà. Après, on va, mais comment je vais gérer ce nez, wesh. Attends, au passage, je sais qui l'a créé, parce que j'ai pas du tout vu qui c'est qu'il avait créé. C'est Tété Coco, d'accord. Et ben Tété Coco, franchement t'as fait un sim qui a un nez juste horrible. Alors tout d'abord on va lui modifier la coiffure, puisque ça va pas du tout ma chérie. Du coup on va lui mettre une petite couleur, voilà, au calme. Et on va lui mettre un cheveu. Bon écoute, ouais je pense que les cheveux on va faire plus tard, parce que il y a quand même beaucoup de boulot au niveau du corps, voilà. Donc alors déjà on va lui re-régler le nez comme il faut, puisque son nez ça va pas du tout. On va lui remonter tout ça. Après hop, les sourcils. Attends mais ce maquillage, mais c'est juste horrible. Ah, elle est horrible, cache tes rides frère. Non mais c'est abusé. Et vous voyez ce power of make-up les gars, c'est abusé. Du coup hop, on va lui mettre ça comme ça. Ça ouais, comme ça. Ça comme ça. Eh mais oh, je vais galérer de fou hein. Oh là là, ça va être horrible. Ça va être horrible. Alors attendez, la bouche comme ça, elle est ridée comme jamais. Est-ce que je peux lui enlever les rides? Parce que franchement ça va être compliqué là. Mais c'est une personne âgée non? Ouais c'est une personne âgée, d'accord, ok. Donc c'est la première fois que j'ai ça dans un challenge. Bon, mais écoutez, c'est plutôt cool. Alors, hop, les yeux comme ça, ça comme ça, voilà, ça. On va le rétrécir parce que c'est tellement énorme. C'est très flippant, voilà. Après, pour le nez, alors le nez, c'est une catastrophe. Il faut régler ça au plus vite. Après, on va lui élargir un petit peu les sourcils. Franchement, j'ai vraiment envie de lui modifier la couleur de peau parce que c'est extrêmement gênant. Je verrai si je le fais ou pas en fin de vidéo, je sais pas trop pour le moment. Après, du coup, les oreilles, on va un petit peu lui faire grossir les oreilles. Et après, ouais, la bouche elle a un problème. Faut hop re-rentrer un petit peu tout ça. Écoutez, déjà franchement c'est quand même un petit peu mieux qu'avant hein. Voilà, on va pas se voiler la face, un petit peu mieux qu'avant. Du coup en coiffure, et eh bien écoutez, on va lui choisir une coiffure. Alors je sais, ça fait très bizarre, ça fait, vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Candy des Zinzins de l'espace les gars. C'est juste horrible. En coiffure je sais pas trop quoi lui donner, ouais j'ai pas d'idée. Déjà en cheveux, mais ça fait bizarre, genre t'as des cheveux normaux mais t'as la peau verte frère.
faire. C'est franchement chelou. Ouais, attendez, ouais, j'ai vraiment modifié la couleur de peau parce que c'est pas possible. Du coup, en couleur de peau, allez, c'est parti. Tu vas faire des UV, ma chérie. Tu vas avoir une couleur de peau un petit peu bronzée. Voilà, au calme. On va lui mettre une couleur de peau comme ça. Voilà, c'est pas mal. Bon, par contre, son visage, il a un problème. Hein. Franchement, son visage, il a un problème. Je sais pas. En fait, je pense que c'est ses rides qui font que j'ai du mal. Je pense que c'est ça parce que moi, les sims personnages, je les relook jamais. J'ai jamais créé vraiment de sims personnages. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, écoutez, déjà, c'est un petit peu mieux. Après, hop, on va lui avancer un petit peu la mâchoire. Voilà. Et écoutez, franchement, c'est... Ouais, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais bon, écoutez, on fait avec les moyennes du bord, comme on dit. Du coup, wow, c'est hyper compliqué, franchement je galère trop. Bon écoutez, on reviendra sur son visage peut-être plus tard, hein. Pour le moment je vais m'occuper de son corps parce qu'il y a du boulot aussi. Du coup déjà hop, on va te remonter les seins. Hop, au calme. Après on va t'enlever un petit peu du bide, voilà. Après hop, on va te rétrécir les fesses. On va t'ajouter de la graisse et des muscles parce que tu n'as pas l'air d'en avoir. Et hop, on va la faire grossir un petit peu de partout. Voilà, faut que tu prennes du muscle, ma petite mamie lézard, voilà. Donc hop, on va lui élargir un petit peu les bras au calme. Après on va s'occuper de son dos au calme, hop, comme ça. Ouais, écoutez, son corps est plutôt pas mal, franchement son corps est plutôt pas mal. Du coup elle est prête pour faire la post bad, voilà, elle a pas le time. Donc du coup les tatouages, alors ouais, les tatouages, mais sur une personnage des tatouages comme ça, mais c'est tellement moche. Alors attendez, on va lui enlever des tatouages au calme. Donc écoutez, maintenant nous allons passer et à la coiffure. Donc pour la coiffure, sur quoi on pourrait partir? Franchement je sais pas trop. Écoutez, moi je me vois bien partir sur cette coiffure là, voilà, qui vient du kit bowling si je me trompe pas, et qui est, je trouve, plutôt sympathique. Par contre je vous avoue que j'hésite encore un petit peu à peut-être lui remettre la peau verte parce que au final ça lui cache un petit peu les rides et tout. Du coup ben pourquoi pas, c'est j'ai en vert au féminin tout simplement. Du coup écoutez, on va lui remettre cette peau verte, voilà, c'est plutôt sympathique, ça change un petit peu. Et on va, ah oui, le maquillage, on a oublié le maquillage les gars. Du coup pour terminer ce ugly beauty challenge, on va lui mettre un petit peu de maquillage au calme. Oh, ça va pas du tout, c'est horrible. Ok d'accord, alors je sais pas trop comment je vais me débrouiller là dessus écoutez, déjà on va lui mettre du truc pour les yeux là, voilà, un petit peu blanc et tout, c'est plutôt sympa, ça lui relève le regard tout simplement. Après on va lui mettre un petit coup d'eyeliner puisque ça manque un petit peu de définition tout ça, voilà. Donc hop, petit coup d'eyeliner au calme. Et après les joues, hop, les joues, ah c'est horrible. Vous savez quoi, on dirait un fruit pas mûr, c'est abusé. Genre ça on dirait trop une fraise, genre tu sais qu'il y a le devant de la fraise qui est rouge un peu et le derrière il est vert quoi, c'est juste dégueulasse. Du coup écoutez, je sais pas trop quoi lui mettre. Ouais, je crois pas que je vais lui mettre du truc pour les joues là. Du coup on va juste mettre un petit rouge à lèvres au calme, voilà. On va lui mettre un petit truc nude et tout, ça sera sympa. Ah ça fait fat, dégueulasse. Non j'aime pas, en fait j'aime pas trop. Ça fait un peu bizarre quand même hein. Ouais, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Bon, écoutez, on va vraiment partir sur un truc sans vraiment de couleur, voilà, parce que c'est un petit peu dégueu. Écoutez les amis, ben pourquoi pas partir sur ce petit rouge à lèvres là, un petit peu marron et tout, ça va bien. Personnellement, moi j'aime bien. Du coup, écoutez, on part sur ça et après est-ce que j'ai encore des trucs à modifier avec sa tête? Attendez, je vais encore modifier trois petites bricoles au calme. Hop, comme ça. Tac, je fais les petites finitions, vous connaissez, hop, voilà, comme ça. Et écoutez, maintenant, on va terminer avec la tenue. Alors, pour la tenue, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de bon, notre mamie lézard? Écoutez, ouais, non, on va pas lui mettre un tablier de cuisine, ça fait trop cliché, ça fait trop le cliché de la grand-mère qui fait des gâteaux à ses gosses, tu sais. Enfin, à ses gosses, à ses petits-fils plutôt. Ça fait trop cliché, du coup, ouais, je sais pas trop. Mais après, ça lui va quand même bien. Et franchement, on va pas se cacher, ça lui va bien. Bon, écoutez, les gars, je pense que je vais partir sur ce petit tablier là, écoutez, je trouve que ça rend plutôt bien. Du coup maintenant nous allons continuer avec les accessoires. Alors pour les accessoires on va lui mettre un petit bracelet, voilà, fort sympathique. Peut-être un petit bracelet comme ça et tout, c'est sympa. Et après qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de plus? Je me vois bien lui mettre une montre, peut-être une montre comme ça. Ah mais mince, c'est sur le même bras. Bon écoutez, c'est pas trop grave, voilà, je mets juste un truc comme ça. Et après on va mettre une petite bague, voilà, sur l'autre main. Après pour terminer on va lui mettre une petite paire de chaussures tranquillou. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en paire de chaussures? Ouais, des trucs comme ça. Du coup, bah écoutez, je pense que l'on va partir sur cette paire de chaussures. Et puis écoutez, les amis, bah voilà, c'est bon, on a totalement relooké Mamie Lézard. Voilà, elle est parfaite, elle est prête à cuisiner des petits gâteaux avec son petit tablier. Et puis écoutez, les amis, bah c'est sur ce que du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que, comme d'habitude, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et aussi, bien sûr, comme d'habitude, à partager vos sims très
très très laid sur la galerie avec le hashtag BenjiUBC. Comme je vous ai dit, pour la prochaine fois, j'aimerais bien que ce soit un couple de sims avec un sim adulte et un sim enfant, ou bien deux sims adultes. Je verrai un petit peu comment je fais. Et bien sûr, je compte sur vous pour qu'il soit vraiment le plus laid possible. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.